Aujourd'hui à Rocambule, Bundock. On se souvient tous de cet air endiablé qui nous a fait danser Noël dernier. C'est malgré tout avec American Singer que s'est manifestée l'urgence de découvrir les cinq frères Bundock. C'est pour ça qu'on a fait une chanson sur Jim Morrison et c'est un peu un hommage aux années 70. La première fois qu'on a tourné un vidéo, la première fois de notre vie, là, qu'on ne savait pas vraiment, là, t'as affaire à la technique, c'est un peu dur de confronter à tous les détails qu'on voit pas. Là, parce que le clip, la tourne a duré 3 minutes, mais ça prend deux ou trois journées de tournage. Puis à quel endroit c'était tourné? American Singer. Des tonnes de feuilles, là. Ouais. C'était dans un genre de grange, mais c'était pas une grange. Non, c'était un hangar dans Saint-Henri. Hangar abandonné. En plein dans Montréal. J'ai l'impression que c'est dans la nature, perdu en quelque part dans le champ. On a ramassé à peu près 90 sacs de poubelles géants de feuilles sur le Mont-Royal. On a transporté ça dans l'hangar. Si vous autres qui avez nettoyé ce que la ville vous a apprécié, non? Ouais, c'est comme ça qu'on a payé le clip. D'accord. Et le deuxième clip pour le corbeau, ça c'est dans un... pas une école, on avait dit une école en plus. Ouais, non, c'est comme une espèce de monastère. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. C'est une maison d'alcool. Pour, puis de droguer, là, tout ça. Puis on aimait l'architecture parce que ça ressemblait à un monastère. Que c'est long, est-ce que c'est important de choisir un endroit qui va vraiment coller au clip? Oui, parce que quand on décide de faire un clip, là, on sait la toune, c'est déjà un bon départ de son à la toune. Après c'est ça, on choisit l'ambiance, puis là, on fait le tour. Pierre, c'est toi qui composes les paroles des chansons de Bundock. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour composer Corbeau? Le corbeau, c'est plus pour les images, c'est un aspect mythique. C'est une histoire d'amour, mais à travers un corbeau, à travers l'animal, parce que l'animal m'inspire, entre autres, le corbeau d'Edgar Allan Poe, qui est un peu l'anecdote de cette pièce-là. Leur nouvel album intitulé « Cinéma » va paraître le 9 novembre prochain. Il y a un renouveau aujourd'hui dans le rock francophone. On dirait que tout d'un coup, c'est bon, le rock francophone, parce qu'avant, n'a jamais vraiment attiré l'attention. Mais je pense pas qu'on aille vers un album en français, totalement français à cause de ça. Mais je pense que ça va peut-être réveiller nos sens, le côté francophone. Il va peut-être en avoir plus en français, où on va faire les deux parallèlement. Cette formation est bien vivante sur la scène musicale. Entre autres, ils y font apparition avec Soldat Louis sur la rue Saint-Denis. Et depuis déjà 2 ans, ils participent au concert bénéfice Moment de manifestation, où plusieurs artistes se regroupent. Est-ce que la complicité est différente quand c'est pour un genre d'événement, pour ça, pour aider des enfants? Est-ce que ça devient plus important? Oui, parce qu'il y a un but au bout de la ligne. C'est pas chacun fait son petit boniment de 2 chansons. Tous les musiciens se mélangent, puis c'est rare qu'on voit les gens, des musiciens, en tout cas plein de Québécois sur la même scène le même soir. C'est comme la Saint-Jean. Tu sais, avant, c'était juste à la Saint-Jean. Ça va devenir une nouvelle Saint-Jean.